conditions de travail sont très mauvaises. Il y a certaines sociétés qui sont en dessous dans des caves ou des garages, des petits garages avec des machines ou tout. Même ni l'aération, ni l'éclairation, ni rien. Elle est obligée de travailler tel nombre de pièces, mais sans aucune condition. Ou en plus, avec un prix minime. En question de 2 heures supplémentaires, le patron est obligé, lorsqu'il a besoin d'un tel nombre de productions à produire en une date limite, il ne prendra pas en considération l'état de l'ouvrière ou est-ce qu'elle a une famille, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a... Non. Pour lui, t'es obligé, la plupart des filles ici, t'es obligé de faire des heures supplémentaires autant qu'il voudra. Et lorsqu'il n'y aura pas de travail, c'est chômage technique et non payé. Ici, lorsqu'il fait la plupart des ouvrières ou des travailleurs en général qui ont pensé à faire des syndicats, le jour où le patron sera au courant, c'est la porte.